Bonjour mes amis chez Cuisine Malais, j'espère que vous allez bien. Voilà, cet après-midi, on va préparer un gâteau simple. Alors, pour 6 personnes, j'ai pris 150 g de sucre. J'ai pris une tablette de 100 g de chocolat, 150 g de beurre, 6 œufs, 8 cuillères de farine et la neuvième, elle est maïzena, la levure et sucre vanille. J'ai pris pour décorer mon gâteau pâte de fruits et je l'ai mis dans l'eau de fleur à côté pour que j'élève le sucre qu'il y a dedans. La première chose, on va prendre les œufs et le sucre. Voilà, j'ai mis mes 6 œufs dans mon bol. J'ajoute le 150 g de sucre. Le sucre, vous pouvez mettre moins ou plus que si comme vous voulez. Moi, 150 g, c'est bon. Donc, voilà. J'ajoute après 10 minutes après que j'ai mixé. Alors j'ajoute beurre. Bien, il faut bien bien mixer. Voilà. Voilà jusqu'à on voit comme une crème. Après on ajoute la farine. J'ajoute maintenant ma cuillère de maïzena. Et je vais compter mes cuillères de farine. Donc, voilà, j'ai mis la cuillère de maïzena, la farine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà, 8. J'ajoute sucre vanille. J'ajoute la levure. Maintenant, j'ajoute l'eau de fleur que j'ai mis ma pâte de fruits dedans, je l'ajoute, l'eau de fleur et un peu sucré, c'est ça. Voilà, je le mets et je mélange à nouveau. Maintenant, je prends encore un petit peu, il me reste un petit peu d'eau de fleur. Je l'ajoute avec mon chocolat dans le chocolat et je le mets au micro-ondes un petit peu, juste pour fondre les chocolats. Maintenant, je prends mon plateau, j'ai mis papier de cuisson. Il me reste dans mon bol un petit peu de beurre de tout à l'heure. Voilà. J'essaie les côtés. Voilà. Voilà, je mets mon mélange. Et je laisse un petit peu pour que je mélange encore chocolat dedans. Voilà, pas beaucoup, je laisse pas beaucoup, un petit peu, voilà, de cette façon. Voilà, je le laisse à côté. Je prends mon bol, il reste un petit peu, pas beaucoup. Je prends mon chocolat que j'ai fait fondre. Voilà. En même temps, j'ai allumé mon four à 180, mais une fois que c'est chaud, je mets mon gâteau et je le laisse à 150 à peu près une demi-heure, 20 minutes. Il faut servir, ça dépend des fours. Voilà, je mélange bien, 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 bien mon chocolat.
Voilà, c'est bien mélangé. Alors, je le laisse à côté. Je prends à nouveau mon gâteau et je commence à mettre dessus. On peut mettre le chocolat noir si vous voulez. Moi, je préférerais chocolat au lait. C'est mieux pour les enfants, chocolat au lait. Voilà, de cette façon. Je mets sur mon gâteau. C'est un gâteau simple. C'est vite fait. Voilà, j'ai mis tout mon chocolat. J'essaie avec ma cuillère. Là. Mettre partout. Voilà, et je le mets dans mon four à peu près 20 minutes, une demi-heure. Il faut servir. Voilà, mon gâteau a pris 20 minutes au four. Alors, je l'ai fait sortir. Voilà, je lève avec cuisson. Après, pour le décorer, si vous êtes libre, vous pouvez ajouter du Nutella dessus, du chocolat, de noix de coco, de sucre glace. Vous êtes libre. Moi, le gâteau, il est simple. C'est un gâteau de famille. Ce n'est pas quelque chose de très difficile à préparer. Mais moi, quand même, je vais le décorer à ma façon avec sucre glace. C'est tout. Voilà, je prends sucre glace et je le décore de cette façon. Voilà. Décorer mon gâteau, il est très simple, c'est un gâteau de famille, mais quand même, j'ai décoré, j'ai mis sucre glace, ma pâte de fruits, que j'ai trempée dans l'eau de fleurs. Voilà, elle est magnifique, c'est un gâteau magnifique pour la famille. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Et n'hésitez pas de s'abonner à ma page Cuisine Malaise. Et merci beaucoup mes amis, et à bientôt.